Et salut tout le monde, et c'est Diablo, et aujourd'hui on se retrouve sur Carmageddon pour le 21e épisode. Alors, comme l'épisode précédent, nous avons gagné un nouveau véhicule, et ben, je vous propose qu'on le choisisse dès maintenant. Donc voici le véhicule qu'on va utiliser pour cette course, c'est le The Bear. C'est le véhicule de Yvon le Bâtard. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, on va voir ça tout de suite. Donc, avant de mettre la liste des participants, je vais vous montrer un petit peu à quel niveau on est. Donc on est au niveau 48, 48e position. Enfin, je suis 46e et on fait la course au niveau 48. Voilà, donc maintenant les infos au niveau des participants. Donc on retrouve Stig Hofor, Wolfgang, les frères Grimm avec leur corbillard, Mechmania. Bon, le véhicule est possible, il y a une possibilité de l'obtenir si on le détruit. Headhunter. Et un nouveau venu, Tone Dumpster. Donc lui, son véhicule, il est assez chaud à défoncer. Hein. Allez, c'est parti. Je vais baisser le son des enceintes. J'ai remarqué que parfois le son des enceintes se répercutait sur le son de l'audio. Parce que j'enregistre en fait l'audio et l'image en différé. C'est-à-dire que je enregistre l'audio via Audacity et l'image via Fraps. Donc là on voit que là, je fais une roue avant. Donc voici l'intérieur du véhicule. Donc, ça change complètement de ce qu'on avait avant. Donc, bien évidemment, je l'utiliserai qu'une fois. C'est vraiment pas le véhicule que j'affectionne. S'il y a bien un véhicule que j'utiliserai plusieurs fois, c'est le pick-up. Je sais pas si on l'a déjà vu. Celui-là est pas mal, il est plus résistant que la voiture. Et bon, là, je galère un peu. C'est bon, il est encore mieux que ce que je préfère par rapport au Dragster. C'est assez chaud à conduire. Attention aux bombes. Là, je cherche des piétons en priorité parce que je suis assez chaud. Merde. Oh, putain. Je vais exploser les bombes, comme ça n'aura pas pris du temps. Le truc c'est que tellement qu'il est gros le véhicule, on voit pas devant. Ce que je vais faire, c'est essayer de régler la caméra. On peut pas la mettre en hauteur. Chaque fois qu'il route, c'est pareil. Je vais vraiment galérer là. Vraiment que je commence à la maîtriser du cul. Je vais essayer de boucler un tour aussi après. Une fois que j'aurai bien maîtrisé le véhicule. Sur la colline.
c'est les zombies des feux pour faire le départ. Qu'est-ce que ça foutait des feux rouges en plein milieu de la route? Ça va, je suis revenu en positif au niveau des crédits. Le temps, ça commence à aller. J'avais vraiment pas de perdre en fait. Surtout au début, on commence avec une petite minute. Ça va assez vite. Bon, ça va, je suis bien parti. Et allez. Et bien sûr. Bon, moi j'ai des bonnes pièces parce que là, je galère un peu. Donc le véhicule, le gros engin chantier là, jaune, je crois qu'il fait partie du tier 3. Comme le 4 vert qu'on a vu là, précédemment. Donc je vous rappelle un petit peu les tiers en fait, c'est les différents niveaux en termes de véhicules. Donc le break là, le break celui-là qui est devant, fait partie du tier 2. Et vu que maintenant j'ai des bonnes pièces, je peux autant les défoncer que les véhicules du tier 1. Donc ça va. Par contre au tier 2. Tier 3 là, je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai toujours pas rencontré le 4-4 John là. Enfin le gros chantier. On va quitter cet endroit. C'est beau, quand je l'aurai gagné, je ferai le jouer, c'est beau aussi. Et, mec. J'ai toujours pas gagné. Hein. Pas obtenu. J'utilise pas le rembobinage, ça explique quand même 2000 points à chaque fois. Ça va, je vais m'infliger les dégâts. Ouais, en fait, la dernière fois j'avais des pièces niveau 3, donc c'était pour ça que j'avais un peu galéré pour défoncer le 4 de verre. Bon, ça devrait aller. Je vais essayer de boucler un tour. Je
Moi, ce qu'il y a de bien avec cette 4x4, c'est qu'on risque pas trop se bloquer. Donc le circuit est assez... qui est supposé être des dunes de sable, c'est assez rectangulaire. Même. Donc, c'était Diablo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.